Salut tout le monde, c'est Griffon et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur The Outer World, Spacer Choice Edition. Il y a le petit bonhomme de Spacer Choice là-haut. Et aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Bien, je me suis dit qu'il était raisonnable de commencer par la quête principale. De voir si nous pouvions avoir une pièce pour notre vaisseau. Et peut-être de nouvelles armes, parce que bon, le pistolet de base est nul à chier. Oh, qu'est-ce que c'est? Crochet magnétique, ça, il m'en faut. Ça a l'air tellement intéressant, ça. Clé de contournement, aucune idée de ce que c'est. Peut-être quelque chose dans le même genre. Je me gêne pas de prendre, hein. De toute façon, il dit même pas que c'est prêt. On a quoi, là? Le cœur de Toss Ball. C'est pas volé, c'est pas du vol apparemment. Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est une arme lui. Ok. Ça c'est mon armure. Il y a de la durabilité. Oui, j'avais vu ça. Peut-être plus se balader en mineur. Hein. Quoique... C'est quoi ça? Standard. Gère. Technologie. Je suis pas là pour faire de la furtivité, moi. Voyons ça, ça c'est des consommables, oui, je connais. Banana gogo. Ok. Ça, ça doit être des soins. Ça, c'est de la bière. Du pain pré-tranché. En plus, il y a leur marque dessus, donc je pense que ça va avoir une certaine importance. Hein? Ah, ça, c'est mes outils. Quand j'ai une serrure et pirater un ordinateur. Intéressant. Ça, c'est un objet de quête. Pour de Sprat. J'ai dû avoir ça sur la route, je crois. C'est pas les petites bestioles que j'ai tuées. Je sais plus. Bref, en continuant de fouiller, il y a pas mal de choses à faire. Pas prétenché. Tarmacaroni. Prendre des munitions, on va pas se gêner. Jus de pseudo-pomme. Écoute, si t'es pas sûr que ce soit des pommes... Jus de pseudo-pomme, banana gogo... Au moins, dans les frigos, c'est des aliments. C'est déjà ça. On trouve pas des munitions dans les frigos. J'en ai 15 sur 2, ça c'est dommage. Ça peut se revendre. Nos algues. Dernière recherche. Recherche. Humati. Quitter. Aucune idée. J'en sais rien. Écoute, il ne considère même pas ça comme du vol, moi j'en profite, hein. Ça, avant d'aller faire mission principale. C'est une salle de bain. Petite terrasse, un petit coffre. Des munitions et des batteries, je prends. Ok, donc les dégâts de chute sont réels. Maintenant, on va aller voir là-haut. Seulement, par où est-ce que je vais pour aller voir là-haut? Visiblement, entrer dans la conserverie. Par là. Quoi ici? Des choses. Une grosse porte. Je voulais pas l'ouvrir, mais bon. Alors ici c'est volé. Qu'est-ce qui m'indique que je suis détecté? Parce que ça ne ressemble pas à Skyrim là.
On va peut-être éviter de commencer à voler des objets comme ça. Hein. Ici, c'est quoi? Ici, c'est un bureau. J'en ai qu'un, quel dommage. Killing Spacer pour les nuls. Ok, donc il y a du lore, les documents se présentent de cette manière, c'est intéressant. Quoique, je devrais peut-être le lire. Je pourrais peut-être gagner des points en... de compétences. No, chargeur puissant, cartouche d'opto. On va éviter de voler chez eux, c'est peut-être pas bien vu. L'objet de quête. Oui, bah c'est bien. Bon, bah c'est un objet de quête. Voilà, c'est un objet de quête. J'imagine que c'est par là. Petite musique d'ascenseur. Je trouve que l'ascenseur bouge beaucoup. The grease monkey Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. The answer's technical. Don't apologize. Just try using small words for me. The cans bust open in the oven because she's set to cook saltuna, which isn't what we've got. Mr. Thompson, I think there's someone here to see you. Focus, Miss Holcomb. You and I are still talking. Let's start over. Walk me through the process. Show me where it's going awry. Well, sure. It's mostly on account of what we're feeding into the mechanism. It puts food in cans. We have food, we have cans. Why won't it work like we need? She's expecting saltuna of a certain size. We're filling the cans with... well, not fish. Ooh, ça donne pas du poisson Seems manger. We've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. Vous, le chef de la ville? I'm Reed Thompson, outpost administrator. I must say, wearing a marauder's outfit is in very poor taste. I do wish you'd show your uniform a little more respect. Je travaille pas pour Spacer Chase. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Mon vaisseau a besoin d'être réparé, j'aimerais chercher un régulateur électrique. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. Vous allez m'aider si je fais uniquement quelque chose d'abord pour vous, c'est ça? My proposition benefits the both of us. Please, hear me out. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power shut down, you can have their regulator and be along on your way. Grande partie, qu'est-ce qui s'y trouve? I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. C'est des maraudeurs, c'est pas des personnes. The people living in the botanical labs, they're deserters. Former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. Si vous voulez que je vous débarrasse de vos déserteurs, je fais payer par tête. Good lord, no, I don't want you killing anyone, least of all them.
My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Et je la reconnaîtrai comment? Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. Et si elle refuse de revenir? That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. Très bien, je vais voir ce que je peux faire. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Avec plaisir. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. Donc c'est payé, on y va. Ah, qui siffle. Doucement, le jeu, doucement. Les fermes manières pendant les combats. Les vôtres, augmentant votre capacité de transport. Les verrouillés, capacité de combat spécifique, compagnons, les compétences, inspiration. Voyons que c'est un registre des compagnons. Ok. C'est bien foutu. Tu me serviras de bouclier humain. Tab. La distance, c'est bien. Bah, en vrai, je m'emmerde. Je me mets partout. Partout. Un peu plus pour la distance. Défense. Et aussi un peu en dialogue. C'est un peu bizarre comme arbre de compétences, je trouve. Voilà, dialogue. Impliqué. Dialogue en combat. Dialogue en combat. Difficile à prier. Ça tétanise automatiquement. Intéressant. Puis. Dans une étrange contrée, allons dans le lendemain. C'est fait. Il faut les pièces du vaisseau. Codex. Un combat, un compagnon. Allez, go. Parade parfaite. Non, on vous assigne une attaque corps à corps, on vous esquiverait. On peut désormais rejoindre votre groupe. We better clear out of Mr. Thompson's office. Je te le dis tout de suite. Si j'aime. Si t'es dans le délire de. Oui, ils sont. C'est des, une pauvre communauté qui sont exploités. Je joue un RP de mercenaires sans cœur, c'est pas la peine de venir m'emmerder avec ça. Sorry. I. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just. Mr. Thompson has his own view. On matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Et ce qu'il m'a dit m'avait l'air plutôt cash. Sure, it all comes together seamless in his own head. And I reckon he means well for all that. It's just. He doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left.
Oh. Oh, elle va être pénible. Elle va être pénible. Je suis sûr que j'ai des déserteurs de gens bien. Et donc Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. It just... It don't seem right to me, mister. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. De quoi parle le vicaire d'électricité d'un territoire actionné? About if what Mr. Thompson proposes to do is upright. Leaving Miss McDevitt's folk to their fate. Their neighbors. Kin. And maybe he can think of something else to try. Something we ain't. He used to go walking outside town. Maybe he found something that'll help. It's just an idea. That's all. Où je peux trouver... The mission's on the east side of town. You can't miss it. On account of it being the only clean thing. Je vais y réfléchir. Tain, il m'a encore foutu une bobo dans les pattes. Heureusement. Quête. Harry, je vous demande d'apporter un ordinateur en les intimidant. Et ses compagnons, laboratoire botanique au nord d'Edgewater. Il pose un cas de conscience avec Capri. Moral éclairé. On va aller voir le vicaire. Putain. Je sens qu'elle va pas faire long feu, elle. Je sais pas pourquoi, je vais vite la virer. C'est bon, hein. I've always felt weird in here. It's too clean. Ouais, ouais. Bonjour, c'est pour régler la quête de conscience. You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max, if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Parvati veut vous parler de ce que Reed nous a demandé. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? De couper le courant en déserteur, répondez vite, on est pressé. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Ok, est-ce qu'on pourrait passer à autre chose? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Ah, c'est ce qu'il m'a demandé. Peut-être moyen sans que ce soit un carnage. Comment c'est possible? Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. Ah bon? Pourquoi donc? One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls,
My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Commission généreuse. Dites-moi plus. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Je vais chercher le bouquin. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Je vais juste lui apporter le bouquin, je me fous du lore, etc. Je joue un enfoiré de première. Si moi je joue mon enfoiré de première en paix. You think corporate's ever gonna visit? Another day at the cannery. Magasin général de veille d'émeraude. C'est la cantina. Il est où le magasin? C'est ça? General Store, c'est ça. Quelqu'un? Not since the vending machine incident. Holcomb, got my eye on you, girl. Oh, bonjour. Miss Holcomb ain't allowed in this establishment. Not since that little incident. Oui, bah c'est votre problème, pas le mien. Elle va se tenir, pas vrai? Absolutely. I'll keep my hands in my pockets. I won't touch anything while we're in here, Mr. Moreau. I promise. Bon, faites-moi voir ce que vous avez à vendre. Music to my ears. Compétence de commerce. On négocie le prix. Ok. Je voudrais un meilleur revolver. Spencer Choice. Vert. Spencer Choice. 41, 22. Oh, le canon scié. C'est joli. C'est joli, c'est joli, c'est joli, ça, comme flingue. Ça coûte combien? 197. Pas très cher. Et j'aimerais vous acheter quelques... Voilà, vous achetez ça. Et j'ai très envie de lui acheter son revolver, ça a l'air fou. Alors, le revolver coûte plus cher que le canon scié, étrange. Mitrailleuse légère, deux mitrailleuses. Prendre le canon scié, arme longue. Tout partir sur le revolver en vrai. Voici un plaisir. J'ai plus assez. Vendre. Est-ce que je peux vendre des choses? Par exemple, mon vieux revolver, mon vieux pistolet. Combien qui me vend? Je vends 7,50$. C'est pas énorme. C'est un début. Tiens, prends ça aussi. Et... La combinaison. Tiens, prends. Sabre de sentinelle, et franchement, je me fous des trucs de sentinelle. Les armes au corps à corps, c'est pas mon truc. C'est pas mal, ce que je peux t'acheter. Un passé. Tiens, prends ça. Et laisse-moi t'acheter le fusil. Merci. Très gentil. Inventaire. J'en ai encore un, j'aurais qu'à le vendre. Voilà, magnifique. Oui, joli en plus. It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. C'est quoi du gourmet? Music to my ears. Tiens. Vendre. Vendre. Voilà. 11 octo. C'est pas beaucoup. Mais au moins, on n'est pas à poil. Le gourmet, j'ai probablement pas assez pour acheter ça. D'ouvrier. Armure de soda standard. Oui, bon, on va rester avec la vieille armure que j'ai. Elle est pourrie, mais au moins, elle fera l'affaire. Ouh, bébé. Ça, c'est bien. Allons nettoyer du maraudeur. Bon, on a des médocs à récupérer, un bouquin satanique et... une centrale géothermique à couper.
carte. Activer les quêtes inactives. Ok, donc ça c'est quoi? Trajet dans une... Qu'est-ce que c'est? On va faire ça. Manuel illustré. Alors attends, avant de faire n'importe quoi, fais-moi le journal des quêtes. Trouver le vaisseau Thorn. Il vous a demandé un long lendemain. Illustré. Collectionneur. On va déjà faire celle-là. Quoi ça alors? Électricité fût. On va faire l'électricité, on va faire un long lendemain. On va déjà commencer par ça. Tu suis. Fouiller un peu, ça a l'air abandonné cet endroit. Ouais, ça a totalement l'air abandonné. Criminel. Bon, j'imagine qu'ils considéraient tout ça comme du vol. Enfin, pas vraiment considéré comme du vol, mais il me prévient juste. Les octos, de l'argent, pièces d'armes. Des toilettes futuristes, des détox. J'aime beaucoup l'ambiance. Mission légère, pompant, napillé. De toute façon, c'est abandonné ici, ils vont pas m'emmerder. Evicted. Je ne sais pas. Et condamné ça. Qu'est-ce que c'était que ce petit connard? Je vais très bien. Ils étaient vénères ceux-là. Ça c'est du bon chargement de flingue. Distributeur, un métier de piratage. Vendre des objets à un distributeur. Stock privé. Je vais pas acheter ce stock privé. Ça doit être au fur et à mesure, j'imagine, les compétences, tout ça. C'est pas grave. J'aime beaucoup la musique. On prend tout. Utiliser mes deux crochets, ce qui m'emmerde assez. Pourquoi je voudrais pirater ça? Bon, vas-y. Et de Spacer Choice, c'est terminé. Le balcon de premier étage, oui. Tissage. Blablabla. Air Thompson, excellente nouvelle. Petit point sur le projet, ça tombe léger. Fait chier un nouveau stockant pour la gamme, mais je crois que c'est un trop sur parfois. On attire l'attention du client. Question de votre travail. De sauton adoré. Air Thompson, merci, merci beaucoup. Quitter, voilà, je m'en fous. Non, je voulais pas faire ça. Ah, je vais la jouer façon ordure sans cœur, hein, j'annonce. Donc quand l'autre elle commence déjà à venir me dire oui, c'est des gens bien, ils vont se retrouver dans le froid. Rien n'a secoué. Aussi. Se prendre un aspect à bouteille bleue. Des choses. Pistolet perforateur. Oh, juteux. Boucle d'oreille, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est du merdier. Fais-le voir. Pourquoi il est rouge? C'est-à-dire quoi?
points et énergie. C'est des dégâts d'énergie, donc. Mais est-ce que j'ai des cartouches d'énergie? Pas beaucoup. Je t'avais pas vu, toi. Un deuxième pistolet perforateur, je pourrais le revendre. Il y a 18 balles. Pour 15 de côté. C'est pas énorme, mais ça peut le faire quand même. En vrai... Il y a quoi, ça? Il a déjà perdu du truc, lui. Il a déjà pris du dégât, mon revolver. Chiant, ça. Voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est évicté, on rentre pas. C'est interdit. Un bruit. Une carte. J'ai une quête ici. C'est un distributeur, ça. Donc, au fond... Voilà, on va commencer par celle-là. T'as fini ce bouquin ? Mandat des maraudeurs. J'ai bougé, je voulais lui en foutre une dans la tête. Ouh, c'est un pistolet automatique. Joli killcam. Et il se désintègre. J'aime beaucoup. L'entreprise, salle de sentinelle. Oh. J'aime bien ce flingue. Puis d'assaut, ça se revend. Mandel des maraudeurs, ah bon. Même tripique. Bon, c'est bien, mais ce flingue, il a un souci. C'est que j'ai pas beaucoup de munitions pour. Donc ça devrait attendre. Ça ne sert à rien. Ça, c'est des explosifs, probablement, vu le petit réticule rouge. J'ai plus de munitions avec ça. Un campement des maraudeurs. On continue par là. Pire des maraudeurs. Dième, un vandale. Essayer de la jouer. Peu discret, histoire de s'approcher de leur mettre une bonne cartouche dans la gueule. Here we go. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Ça, c'est mauvais. Ça va. Non. Viande de canidé. Ils ont improvisé un gros chien. Lui, je l'ai fouillé. D'assaut, j'aurais qu'à revendre, c'est pas trop mon truc. Alors, fouillons l'endroit. On a tout un... petit... Merde, j'ai plus de quoi crocheter. Yeah, hein? Je veux pas crocheter. On parlera plus tard. Personne ici. Attends, j'ai bien lu comprimé d'eau déshydraté. Boîte à musique. Des trucs que je revendrai. Spécial Corona. Pas parler de ça ici, attention. On peut dormir.
manque des munitions lourdes. Je vais peut-être passer un peu sur mon fusil à pompe. Je vais commencer à découper du maraudeur. Y'a quelqu'un ? Personne veut tâter du fusil. Je prends ça. Crochetage magnétique, merci. Le missile du collectionneur. Ça va l'être. C'est d'office dans la conserve des Edgewater. Et lors de reprendre les films, dites-moi, c'est trop bête, j'avais vraiment envie d'ouvrir une boutique de souvenirs dans dans un centre communautaire, vendre des perles rares. Mais les textes sacrés nous enseignent que les choses n'ont jamais par hasard, que travail, fortifier l'esprit et tout ça. Les autres armes séparées de ma collection de livres, je refuse d'essayer. Putain, qu'est-ce que contre moi, je décide de les cacher dans une grotte près de la rivière. Ok, il faudra aller dans une caverne. Ce sera probablement pas inhabité. Beaucoup de choses, merci, c'est gentil. Alors oui, il y a un terminal, mais est-ce que c'est réellement nécessaire? Sage. La théorie concernant la place du directoire, t'es rien dans le système colonial. Bon, bref, c'est de la théorie du complot, tout ça, on connaît. Pourquoi on peut passer par là? On aurait pu passer. Hein, si on voulait la faire sneaky, on pouvait passer par le toit. Intéressant. Et j'avais pas envie de la faire sneaky. On ouvre. Alors, prochaine étape. Nuit illustrée. Main. On va faire un long lendemain qui est sur le chemin. Ensuite, on ira rechercher le bouquin. Il y a un fusil à pompe, ça devrait bien se passer. Pardon, les caisses. Le pompe, c'est la vie. Ça, il faut jamais l'oublier. C'est quoi ce bouquin? Aucune idée. J'ai un placement, écoutez, je prends, hein, je prends. Et merde! Ça marche bien! Voilà, t'es descendre, meurs. Merde, j'ai raté. Il marche bien le fusil à pompe. Cette conne s'est fait avoir. Et merde. Bon bah... Oui, oui, continuez. Bon. Ben, c'était plus rapide que je le pensais. On est où, là? Encore dans le bâtiment. Aurais-je peut-être une arme plus intéressante à utiliser? Pas envie d'utiliser un fusil d'assaut, moi. M'intéresse pas. Il manque vraiment de munitions pour les armes à énergie. Et pourtant, elles ont l'air d'être diablement efficaces, surtout mon pistolet. Ouh, il y a des choses là-dedans. J'ai l'impression que tout ce qui est jaune est intéressant dans ce jeu.
Là, je ne me trompe pas, tout ce qui est jaune est intéressant. Depuis là-haut. Question est... pour entrer là, mais ça me fait un peu loin, je trouve. Hein. Et en réalité, c'est faisable. Tout ce qu'il faut, c'est bien trouver... pas comme ça, par exemple. Bien trouver l'angle pour arriver à courir sur les rochers. Non, je ne veux pas tomber, merci. Super, merci le jeu. Elle est où elle? Déjà. Where are we headed? Ah oui. You mean about the mission being too clean? Non. On va s'y remettre. Comment je fais pour tensionner des choses à... pour lui tensionner des choses à elle en fait? Probablement comme ça. Ça, c'est de la merde. Tu vas me prendre un fusil d'assaut, merci. Qu'est-ce que tu veux foutre d'un marteau, sérieusement? Non, tu peux pas. C'est peut-être son arme, on dirait une arme unique, rien qu'à elle. Voilà, maintenant t'as un fusil d'assaut, tu devrais quand même être moins nul. Et merde! Moyen de corriger le jeu, non. Il y a un mur invisible ici. Oui, parfait, je me suis brisé une cheville. Ouh. Merci. Ça, c'est des modifications d'armes, si je ne dis pas de bêtises. Parfait, on est bien pour l'instant. Continue par là. Crève. Oh, c'est un chargeur en plus. Je les prends pour les revendre, mais c'est de la merde, quoi. Peut-être te mettre une armure, toi. Alors, il y en a un peu plus loin. C'est pour l'argent. Ramasse un peu de tout. Ou leur poisson qui n'est pas du poisson. Je prends toujours, merci. Bien écoute, vas-y. You're fast. Voilà. Voyons voir l'équipement. Armure. J'ai quelque chose. Je peux mettre le casque au pire. Ressemble à rien, mais c'est les débuts. Hein. Pavarti. Terme d'armure. 7. Tu as une bonne armure. Ça sert à rien de t'en rajouter. Soutien ingénierie, sournoiserie, bagarre, en bonne santé. Bah, je peux pas. Rebut. Donc le rebut, ça ne sert à rien. Ok. Tout ce que je pourrais vendre. Par les armures. D'armes. Chargeur puissance, renforcement,
Faudra peut-être que je trouve un établi ou quelque chose. J'ai l'impression que je ne peux pas m'en servir comme ça de ça. Là, on monte. Mr. Eye. Adreno. J'ai pas fouillé. Si j'ai fouillé ça, j'ai pas fouillé. De l'opto, de l'argent. Poisson, du premium en plus. Oh. La mission lourde. Tu as une cartouche de crochetage magnétique pour moi, non? Dommage. On va être obligé de laisser, à moins qu'il y ait un terminal. Non, non. C'était... Je t'avais pas vu, toi. Bien planqué. Ah non, tu n'étais pas planqué, j'ai juste que je t'ai pas vu. Voilà, là-bas. Bien joué. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour lui. Elle se démerde bien maintenant. Elle se démerde bien mieux maintenant qu'elle a une vraie arme. Parfait. Que ça se vend. Les mecs étaient un peu durs à avoir quand même. Les résidents, ils sont morts. Ah, j'avais bien vu, il a plus sa tête. Alors, quel dommage, je n'ai plus de munitions pour mon... Non, pour mon pistolet énergétique. En défense et en distance, parce qu'on est un peu faible. Bon, je m'en fous. Un peu d'inspiration, c'est bien. Encore plus de distance. Mais... Continue. Point... Nombre de points que je vise, moi. Bon. Eh bien, on a eu ce qu'on voulait. Alors, il y a eu des morts, mais je sais pas où est-ce qu'ils sont. Il y en a un qui doit être quelque part là-dedans. Ah, le voilà. Je prends les munitions, c'est toujours intéressant. Non, entre ici, il y a quelque chose, je crois. Inventaire. C'est quoi déjà la touche pour soin? Parce que je ne sais plus ce que c'est. Son ordinateur. Je me souviens plus de la touche pour les soins. C'est chiant ça. Commande, la touche pour les soins. C'est... regarde en haut... Souris, sauter... bien, c'est une sprint automatique... Grir... Attaquer... Viser paré... Encore rapide... Inhalateur F. Oh, ça c'est un bon inhalateur. Centre communautaire de la vallée d'Emeraude. Est-ce que j'ai quelque chose à faire par ici? Il me semble que oui.
Non, couché. Ouais, tu sens quelque chose, tu sens rien, con. Merde, j'ai plus de mun. Voilà. Ça va, toi? Moi, elle était morte. Il est chaud ici. De l'opto, du thon, les ennemis par là. Putain, je l'ai fait exploser lui. Attendez quand même pas à ça. Quoi? Une vitre. Et les gens. Merde. Je suis très mauvais au tir, je suis une vraie bille. Allez, monte ta tête. Encore des points d'avantage. Précision. Critique. De sprint. Et... axe, stratège temporel, ténacité, sociateur, non, nageur, mort au vif, mulet, code plus, mission supplémentaire chez marchand, univers chez marchand, distant, de base, y a par défaut. Qu'est-ce que je voudrais prendre? Précision. Non, je veux pas. Je veux pas précision, je veux. Ouais. Gaz augmenté, non. Pas elle non plus. Qu'est-ce que j'avais vu? Ballon solitaire. Science appliquée. Non. Temporaire. Bien plus rapidement. Oh bah on va prendre ça, j'utilise pas beaucoup. Faudrait que je le fasse, ça serait intéressant. De quoi vendre. On va se faire du pognon avec tout ça. C'est immune. Les sacoches de munitions, ça. Un distributeur ici, c'est bien. Au pur et simple. Bah écoute. Barricader. Bah, je prends. Donc ça, c'est déverrouillé. Là, il resterait... Et de ça, des premiers secours. Il faudrait cette clé. J'imagine qu'elle doit être en haut. C'est là que je l'aurais mis, en tout cas. Attends, poisson. De l'octo. Du pain. Du poisson. Des batteries, j'aurais tellement d'avantages des batteries. Pistolet que j'ai trouvé juste fou, mais j'ai pas de mun. Plante, il y avait une porte à ouvrir là-bas. Non, ça je veux pas sortir, je veux rester à l'intérieur.
Préparez-vous. Ah, là on peut monter. J'imagine que le bas est normalement nettoyé. Passer à l'étage. Si ce jeu suit la logique de... comme tout RPG qui se respecte du genre Skyrim, on aura peut-être un boss à la fin. Ouais, ou pas, je ne sais pas. Et on en a déjà pas mal zigouillé. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Bon bah j'ai trouvé ce que je voulais. C'était probablement lui le boss qu'il avait sur lui. Mais il est mort. Saumon. Sauton. Ok. Alors évidemment, sauton est sûrement son nom ici. Sauton, c'est... imagine, qu'est-ce que c'est ça? Primate. C'est représenté une perte de table primate et c'est important. Terrain de science pour les chercheurs qui ont donné leur vie en quête d'authenticité. Hein. Ça, c'est les canidés. Sont d'avis d'émeraude peut être question de catégorie. Sauvage. Canis sauvage cherche son meute. Peut faire office de vie des compagnons, mais non, c'est pas. Les mousses sauvages. Ils doivent rester vigilants à leur présence. Monte disponible, mante régalienne. Oh putain. Mante régalienne à jabot, la reine de son nid. Très sauvage des terrains 1. Ils sont estimés votre imagination. Pas moyen de voir à quoi ça ressemble. Cartouche de taux, munition. Ici. Là, on ouvre. On fouille. Oui, on fait voir les messages. Mister Limited. J'ai pas très envie de lire tout ce qui est terminaux. Ça m'attire pas. Ok, ici c'était bloqué. Maintenant j'ai la carte. Un truc, pistolet, il réparation un objet, pistolet perforateur, j'en ai 3 maintenant, et ben mon cochon. L'armure, est-ce que j'ai quelque chose de mieux? Toujours pas. Sommable, j'ai un bordel pas possible. Pièce d'armure, pièce d'arme. Okay. Carte d'accès pour la géothermie. Voilà la réserve de Médoc. Un taser. Dervish Hurler, j'en ai ramassé un, je crois, mais je... d'un quoi ça sert. Merci pour le crochet. Je crois qu'on est bon. Il me semble que nous sommes bons. Pas besoin de s'éterniser ici plus longtemps, j'ai envie de dire. On est sorti et je crois qu'en vrai on va s'arrêter là. Pas, elle est pas mis en route ça. J'ai oublié de l'appliquer. Vraiment ça. Voilà.
On va s'arrêter ici, j'espère que l'épisode vous aura plu. C'est que n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, partager, commenter comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt.